Au nord du département des Pyrénées-Orientales, la Sagne de Poule est un site naturel remarquable. Le marais bénéficie de l'apport naturel en eau douce que lui procurent les résurgences de fonds Estramar et fonds Dame. Ce site constitue un habitat exceptionnel pour un grand nombre d'espèces animales, dont les oiseaux. C'est un corridor biologique essentiel aux espèces des milieux humides. L'ouverture d'un gros dans les années 70 a favorisé l'entrée d'eau de mer dans l'étang, entraînant ainsi la salinisation du marais. Pour lutter contre ce phénomène, le Conservatoire du littoral a confié la gestion du site au syndicat Rivage et la gestion opérationnelle du plan de réhabilitation du milieu à la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales. Les effets combinés de la mission Racine et la construction de deux piscicultures ont entraîné une modification de la circulation de l'eau douce canalisée et redirigée vers l'étang sans passer par la Sagne. Cette modification entraîne la salinisation progressive et une diminution de la roselière en raison d'un manque de gestion des niveaux d'eau et d'une accumulation des matières organiques. Il est donc paru nécessaire de mettre en place des actions améliorant l'état de conservation de la zone humide. Donc on a profité là que la végétation était au plus bas pour avoir le maximum de repères. Donc là maintenant c'est bon, on pourra aller directement sur les zones de travaux. Rendez-vous en septembre donc maintenant avec les entreprises pour curer les agouilles quoi. Les canaux qui se sont comblés par le manque d'entretien et qui sont nécessaires au fonctionnement de la zone humide ont dû être curés pour restaurer les transferts d'eau douce. À cette occasion, des bénévoles de l'association de chasse locale ont curé à la main près de 300 mètres d'agouilles non accessibles par les engins. La chasse, c'est pas que tirer le gibier et tuer des animaux comme tout le monde sait le dire. Il y a aussi la passion avant tout, et du coup, c'est-à-dire améliorer le milieu, faire pour que l'environnement soit aussi bon pour la chasse, hein, c'est bête, mais bon, si on n'entretient pas minimum, il n'y a personne qui ira le faire. Et là, je me régale tout autant avec mes collègues ici, à creuser comme des fous, là. On est bien, on est ensemble, il fait beau, et c'est ça le plus important. Et en plus, on fait une bonne action, une petite bonne action. Et voilà, du coup, ça fait plaisir. Les prés salés et la roselière ont une grande importance dans la conservation des oiseaux. Dans les années 80, l'élevage est abandonné sur le secteur. Les prés salés ne sont plus entretenus et ils se sont embroussaillés. Pour réhabiliter la zone, un chantier de girobroyage a été entrepris afin d'ouvrir mécaniquement les prés salés et la roselière sèche. À l'issue du chantier, les parcelles ont fait l'objet d'un appel à candidature afin de choisir des éleveurs dont les projets sont les mieux adaptés à la gestion environnementale du site. C'est Capucine Lopez et son compagnon qui ont été sélectionnés pour contribuer à l'entretien du site avec la présence de chevaux et de brebis à l'automne et au printemps. La durée de pâturage dépendra de la ressource alimentaire disponible. La réalisation de pales planches sur le Merlon, en bord d'étang, s'est déroulée en février. Ils permettront de vider la zone humide par effet de chasse si besoin. Faire un petit merlon pour le niveau bas et puis après le reste, t'as vu ? Ouais. Le pec, hein ? Ouais. L'opération de régulation de la population de ragondins a été confiée à Thomas Montoyo de la Fédération des chasseurs. Cette année, une centaine de ragondins ont été capturés pour 55 jours de piégeage effectif. Ben oui, ben c'est un peu le cycle de la vie. Hein. C'est nécessaire aussi parce que ça fait quand même des dégâts, les ragondins. Et le réguler, ça permet justement de limiter ces dégâts. Et donc, par la mise à mort, ben, c'est un passage obligé. Un suivi par bagage est réalisé par Benjamin Calmont, technicien de la Fédération
et bagueur agréé du CRBPO. Alors 95, 98, 301. 301. Ouais. Acre-ci. Reproduit dans les mêmes conditions chaque année, ce suivi permet de connaître l'évolution des populations de passereaux présentes sur le site et d'évaluer ainsi l'efficacité des opérations de gestion à venir. 10 grammes. Le site est honoré chaque printemps par la présence du butor étoilé, petit héron nicheur de la Sagne. Le suivi de l'espèce est assuré en suivant un protocole strict. Plusieurs réunions de concertation ont permis d'instaurer une gouvernance partagée sous l'autorité de la fédération. L'ACA locale aura en charge la gestion des populations de grands gibiers et l'association de chasse du domaine public maritime s'occupera du petit gibier, dont le gibier d'eau. Pambia. Des mesures de gestion cynégétique spécifiques ont été instaurées sur le site au travers de la rédaction d'un plan de gestion gibier d'eau validé par la préfecture et intégré au schéma départemental de gestion cynégétique. Il y a les réseaux qui vont être améliorés aussi, donc il y aura moins de fuites sur les réseaux. La revalorisation et l'aménagement de la zone humide de la Sagne d'eau poule dans les Pyrénées-Orientales est un exemple de collaboration entre différents organismes de sensibilité différentes.